tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos, j'allais dire une nouvelle vidéo, non une nouvelle série de vidéos puisque on commence une nouvelle série d'immersion. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne et qui savent pas vraiment ce que c'est très simple en fait, je vais simplement suivre un cavalier pendant toute la durée de son concours. Donc là on est à Jardy, du coup on est à l'international de complet de Jardy, la team Sens, donc Romain Sens qui est mon copain. Alors vous les avez déjà découverts à Bertichère, mais là on n'est pas avec forcément tous les mêmes chevaux, je vais vous les présenter juste après. Et on est également pas sur les mêmes épreuves. Voilà, je vais vous présenter un petit peu tout ça, j'arrête de blablater et on passe à des images beaucoup plus intéressantes. Voici donc madame une étoile de la serre qui a donc 12 ans et avec qui Romain a couru le 4 étoiles. Ensuite on a monsieur Unesco de Tael qui a également 12 ans et avec qui Romain a fait le 3 étoiles court. Ensuite son demi-frère par la mer, donc Dakodak de Tael qui a 7 ans et avec qui Romain a fait le 2 étoiles long. Et pour terminer, Oracle de Champnotte avec qui Romain a couru les cycles classiques 6 ans puisqu'il a tout simplement 6 ans. Ce matin, ces petites sorties, donc Romain monte sa jument, donc une étoile. Il a son passage à 11h30, mais il va aller faire une petite détente avant. Voilà, parce que c'est une étoile et qu'elle a besoin d'être montée avant son dressage, enfin avant sa détente de dressage. Donc voilà, je vais vous filmer quelques scènes de tout ça. Et puis après, ça va être la première à passer de ses chevaux, puisqu'elle passe à 11h30, je crois. Sur le carré, quelque chose comme ça. Donc voilà, pour information, là il est 8h. Voilà! On est parti pour l'inspection, enfin la visite veto en fait, enfin la protéine, enfin je sais pas comment on appelle ça, oui l'inspection, du 2 étoiles long, donc avec Dakodak et Romain qui est juste caché derrière. Puis voilà. On arrive sur la détente avec Romain une étoile pour le 4 étoiles du coup. Ils vont passer leur premier test avec le dressage. Thank you.
Bon, dressage terminé pour Une Étoile et Romain. Qui s'est passé de manière... Qui s'est passé, quoi. C'est pas le grand point fort d'Une Étoile. Faut savoir aussi que c'est seulement son deuxième 4 étoiles à la jument. Et un roman aussi d'ailleurs, voilà, j'avais pas précisé mais je pense que c'est un élément important. Et là dans la journée il va rester le dressage de Dakodak, c'est ça, je tiens le rythme. Et après c'est tout comme épreuve pour Romain pour aujourd'hui. Mille fois trop chaud, franchement, c'est trop chaud. Bref, vous l'avez vu, reprise un peu compliquée avec Dakodak dans le 2 étoiles. Bon, bah, il y a des jours avec des jours censés comme ça. Maintenant, il va aller monter Oracle pour lui faire une petite détente, enfin, le travailler un petit peu. Puis suite, il va monter UNESCO avec qui il passe également que demain sur le dressage. Et puis après, ce soir, on fait une recouche cross. Voilà, gros programme encore. Et il est 14h20. Joie, bonheur. Bon bah, me voilà avec Oracle qui est... Il est immense, on le verra jamais. Il est là, ok. Voilà, du coup Romain va faire un petit travail aujourd'hui. Bah. Et on l'accompagne, donc je vais vous mettre quelques images, comme d'habitude, avec de la musique. Fin de journée, enfin presque fin de journée, on va dire fin d'après-midi plutôt.
Du coup là évidemment on part sur la côte cross. Je vais pas vous montrer tous les obstacles parce que ce serait trop long et pas forcément hyper intéressant. Même si c'est du coup la côte cross du 4 étoiles. Je vais essayer de vous montrer principalement les combis les plus intéressantes, etc. Et dans tous les cas vous rendrez beaucoup mieux compte avec les images des parcours tout simplement. Donc on est parti. Pour rentrer dans le guet, ensuite on a un espèce de virage qui nous amène sur le contre-haut juste là et ensuite sur le directionnel juste là. Donc là on a encore une très belle combi avec cet énorme obstacle, descente, hop, première haie à prendre de biais et deuxième haie à prendre de biais. Voilà, vous pouvez rendre compte du biais du coup. Coucou. Bon ça y est, reco terminé, première journée terminée, je suis déjà éclatée. Je ne sais pas comment je vais tenir jusqu'à dimanche, mais très contente d'être là, très contente de partager ça avec vous. Et on se retrouve demain pour moi et sûrement dans une autre vidéo pour vous. Donc restez connectés et puis à très bientôt, à très vite, à tout de suite même.